La jeunesse est le fer de lance de la nation. Mais au Cameroun, on a l'impression qu'ils ont perdu les repères. À qui la faute? That is the question. Fidèles abonnés, recevez nos salutations et soyez les bienvenus à cet autre numéro de votre web programme La Roue. La Roue est une web émission qui parle de trois thématiques principales. Il s'agit de l'entrepreneuriat, de la bonne gouvernance et du leadership. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler de la bonne gouvernance et de la jeunesse plus particulièrement. L'insertion socio-économique et professionnelle des jeunes au Cameroun, c'est le thème de cette émission. Nous revenons tout juste après la page en couleur. Welcome back, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous sommes ici au cœur de la ville de Maroua, cité capitale de la plus belle des régions. Nous l'avons dit, nous parlons aujourd'hui de l'insertion socio-économique et professionnelle des jeunes. Pour parler de ce thème, nous avons fait appel aux délégués d'arrondissement de la jeunesse et de l'éducation civique de Maroua 3e. Il s'agit de M. Winamo Fideliste, qui, par ailleurs, est le point focal régional du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Web TV de l'Extrême Nord. M. Winamo Fideliste, bonsoir, merci d'avoir répondu à notre appel. Bonsoir et merci pour l'invitation que vous m'avez faite. Nous sommes là pour parler de l'insertion socio-économique et professionnelle des jeunes. Qu'entendez-vous par insertion socio-économique et professionnelle? Merci déjà pour la question. Il faudrait déjà dire que le problème d'insertion socio-économique est un problème qui tient à cœur le Cameroun. C'est pourquoi nous, à mon niveau, nous on pourrait le définir comme des stratégies qui permettent à ce que les jeunes puissent non simplement avoir de l'emploi et avoir de l'emploi afin de pouvoir être soit s'auto-employer, soit être engagé quelque part dans une structure bien précise. Donc il est donc question ici sur le mécanisme que l'État met en place afin de pouvoir apporter une solution au chômage, précisément de la jeunesse. Aujourd'hui, quelle est la place que le gouvernement accorde à la jeunesse? Déjà, il faut dire que pour le Cameroun, la jeunesse est le fer de lance de la nation. Et dans ce sens, donc, les jeunes sont au centre des politiques gouvernementales. Quels qu'en soient les domaines, les jeunes sont au centre. Et déjà que la jeunesse, elle est transversale, elle se retrouve dans tous les secteurs de notre vie. De notre vie, que ce soit au niveau du secteur primaire ou différents types de secteurs, les jeunes se retrouvent partout. La jeunesse se retrouve partout. C'est pourquoi elle reste l'un des fleurons qui puisse apporter une solution au changement de notre pays. Quelles sont ces politiques d'insertion des jeunes au Cameroun? Quelles sont les politiques que le gouvernement adopte pour l'insertion des jeunes? Déjà, il faut rappeler que le Cameroun est dans un vaste chantier de développement de son pays pour l'horizon 2035. C'est donc pourquoi dans ces perspectives-là, il a été mis en place des documents. Et ces documents qui doivent être conduits certainement par des hommes. Et on a mis une place essentielle, on a mis les jeunes au centre de dans ce document qu'on appelle le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Et l'emploi. Oui, qui a été mis en place par le gouvernement du Cameroun. Et à côté de ça, il y a un nouveau document qui vient de paraître, qu'on appelle le SND 30, donc c'est-à-dire la stratégie nationale de développement 2020-2030. Donc qui à la suite du DSE, complète donc les stratégies que l'État met en place pour favoriser non seulement l'emploi des jeunes, surtout dans le domaine par exemple des constructions infrastructurelles, dans le domaine du secteur du tourisme,
C'est pourquoi vous voyez, le Cameroun est lancé dans des vastes chantiers, que ce soit au niveau des routes, que ce soit au niveau des barrages, surtout que vous constatez qu'on a aussi des problèmes au niveau de l'électricité, même ici à l'extrême nord en ce moment. Donc le Cameroun a donc développé pour ça, pour résoudre ce problème, on a constaté qu'il fallait assez d'énergie. C'est pourquoi on a construit autant de barrages, que ce soit celui de Lompanga, on a aussi une centrale à gaz à Kribi, il y a aussi même Veleux. Donc il y a des politiques au niveau qui sont mises en œuvre pour que. Et ceux qui travaillent dans toutes ces activités de infrastructures, ce sont les jeunes. Donc ça donne de l'emploi. Quand on prend le cas de notre région de l'extrême nord, on prend par exemple la route Maroua-Bogo, ça emploie des jeunes. Il y a eu des jeunes qui ont travaillé sur cette infrastructure-là. Quand on prend le centre hospitalier, le grand centre hospitalier régional qui est en train d'être construit, ce sont les jeunes camerounais qu'on recrute dans ces chantiers. On les permet d'avoir de l'emploi. Et aussi, il y a l'industrialisation du Cameroun qui est en cours. Qui est en cours parce que on a constaté que pour qu'on soit industriel, il faut l'énergie. C'est donc pourquoi il faut avoir commencé par les barrages hydroélectriques, les centrales à gaz, les centrales thermiques, le développement du solaire. Tout ceci va amener à ce que, au moment où on va lancer l'industrialisation véritablement du Cameroun, les jeunes pourront vraiment s'insérer socio-professionnellement. Et pour s'insérer, il faut aussi qu'on ait les compétences. À côté de ça, donc, l'État a mis en place un mécanisme de création des grandes écoles. Donc ces grandes écoles qui doivent former les jeunes qui viendront travailler dans ces structures qui seront mises en place dans le cadre de l'industrialisation du pays. Oui, au regard du taux de chômage et de sous-emploi qu'on connaît au Cameroun, quelles considérations avez-vous de ces politiques d'insertion socio-économique et professionnelle des jeunes? Déjà, il faut dire que le Cameroun est un pays jeune. Jeune parce que un pays doit se construire au fil du temps. Donc, pour ma part, les politiques qui sont mises en place, certes, ont des obstacles. Mais ces obstacles sont liés parfois non seulement au problème de crise économique que nous avons vécu dans le temps, dans les années 90, de dévaluation et consorts, et les nouvelles politiques qui sont mises en place avec les nouveaux documents dont je vous ai parlé précédemment donnent de lueur de l'espoir. Donc, nous pensons que si l'industrialisation du Cameroun arrive vraiment à son terme, on n'aura pas vraiment beaucoup de soucis. Le chômage va réellement être réduit. Et surtout, il faut toucher tous les secteurs de notre vie courante, notre vie commune. Donc, pour ma part, je pense que le Cameroun est sur la bonne voie. Merci, monsieur le délégué. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous sommes là dans le cadre de l'émission La Roue, qui vous offre des chroniques, des interviews, des lectures choisies. Sur cette page, aujourd'hui, nous parlons donc de l'insertion socio-économique et professionnelle des jeunes. Nous avons avec nous le délégué d'arrondissement de Maroua 3e de la jeunesse et de l'éducation civique. Le président de la République a déclaré mettre à disposition du ministère de la jeunesse et de l'éducation civique 102 milliards de francs CFA pour le plan triennal spécial jeunes. Aujourd'hui, monsieur le délégué, qu'en est-il de ce plan? À l'occasion de la fête nationale de la jeunesse qui se célébrait, dans son discours officiel du 10 février, a lancé un programme d'insertion, un plan triennal spécial jeune pour permettre l'insertion socio-économique, accélérer plutôt l'insertion socio-économique des jeunes. Voilà. Donc, ce plan a été lancé par le président de la République. Et pour ça, il a fallu mettre en place des mécanismes qui pourraient conduire à la mise en œuvre de ce plan triennal spécial jeune, dans lequel il fallait mettre en place les programmes, les projets. Il fallait enrôler les jeunes, donc c'est-à-dire inscrire les jeunes dans une base de données afin qu'on connaisse leurs aspirations, qu'est-ce qu'ils veulent. Et maintenant, il fallait encore de cela mettre en place les mécanismes de financement, d'accompagnement, de formation. Donc, il fallait aussi construire des infrastructures qui pouvaient accueillir ces jeunes, les encadrer et les accompagner dans les activités qu'ils mènent. Le plan triennal spécial jeune, dans sa phase de mise en œuvre, est très accéléré ces derniers temps.
Parce que elle a commencé en 2016. Elle a commencé en 2016. La phase de mise en œuvre. La phase. Et c'est un plan triennal. Oui, c'est un plan triennal spécial jeune. Comme je disais, le Cameroun est confronté à beaucoup de problèmes d'ordre économique, dont par exemple l'insécurité, qui est l'une des raisons qui a ralenti la mise en œuvre effective. Mais sinon, des actions étaient déjà menées, puisque c'est le ministère de la Jeunesse qui est lead, qui porte ce projet. Et ce projet, pour qu'il soit véritablement non seulement compris, il a fallu qu'on fasse une vaste campagne de communication là-dessus. Et maintenant, beaucoup de jeunes connaissent, parce que le ministère a mis en place un accompagnement en mettant en place des programmes. On a le programme FONICH, on a le programme Paris Jeudi qui concerne la diaspora, on a le programme national de volontariat. Donc, il y a plusieurs types de programmes comme ça autour qui mettent en, qui accompagnent. Parce qu'on n'a pas voulu léser un secteur que ce soit. Donc, on a pris en compte tous les secteurs de notre vie. Donc, c'est pourquoi le plan tenant spécial jeune accompagne dans beaucoup de secteurs. Je dis, c'est des milliers de secteurs que le plan tenant spécial jeune accompagne les jeunes. Oui, oui. Vous me confirmez qu'il est déjà en train d'être mis en œuvre. Il y a des initiatives qui ont été financées. Je ne confirme pas. Je vous invite à descendre sur le terrain et à découvrir de vous-même. Parce que pour que vous-même vous confirmiez. Parce que si on essaye de faire le bilan, nous sommes déjà à plus de, je peux dire, environ plus de 5000 projets financés. Sur la base de quels critères a-t-on financé ces projets? Les critères sont simples. Déjà, il faut être jeune, il faut être Camerounais, il faut être jeune, âgé de 15 à 35 ans. Il faut s'inscrire à l'Observatoire national de la jeunesse, qui est la porte d'entrée du plan triennal spécial jeune. Il faut souscrire à un guichet, c'est-à-dire à un de vos besoins. On a chez nous environ 6 à 7 guichets. On a le guichet emploi, on a le guichet formation, on a le guichet stage, on a le guichet financement de projet, on a le guichet investissement, on a le guichet chantier de volontariat, on a le guichet chantier jeunesse et on a le guichet volontariat. Donc, vous voyez, il faut, quand vous vous inscrivez à l'Observatoire national de la jeunesse, vous dites votre guichet, vous sollicitez à entrer dans quel guichet. Non? Et vous dites, bon, je vais peut-être aller faire le volontariat ou je veux faire un stage. Donc, on vous instruit dans ce guichet. Maintenant, on vous accompagne. S'il y a une possibilité de stage dans un domaine bien précis qui vous concerne, on vous contacte pour vous dire que dans le domaine précis que vous avez sollicité, voici, nous avons une opportunité à tel endroit. Est-ce que vous sollicitez y aller? Si vous acceptez, donc on vous enrôle dans le mécanisme pour qu'on vous mette en stage ou on vous met en formation dans le domaine que vous avez choisi. Oui, voilà. Justement. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-unes des initiatives qu'on a financées peut-être dans votre arrondissement? Bon, les initiatives sont nombreuses. Hein. Moi, j'ai environ... déjà qu'il faut préciser que les accompagnements du ministère de la Jeunesse vont au-delà jusqu'à 25 millions. 25 millions. Et qui est subdivisé en trois catégories. Les catégories sont celles de, premièrement, les subventions qui sont de 0 francs à 1 500 000. Donc, ce sont des subventions accordées, mais avec cahier de charges, parce que nous accompagnons le jeune pour la mise en œuvre de son projet. Et il y a un autre financement qui va de 1 500 000 à 10 millions, qui est à un taux de remboursement de 0%. Je précise bien 0%. Si vous prenez 10 millions, vous remboursez 10 millions. On vous accompagne aussi dans la mise en œuvre, on vous forme aussi, on vous assure, on vous amène à créer votre entreprise, parce qu'on ne travaille pas seul, nous avons des partenaires, non seulement les établissements financiers, nous avons aussi les petites et moyennes entreprises qui sont partenaires à nous, nous avons aussi l'agence de création d'entreprises. Donc, nous avons beaucoup de partenaires qui sont dans le lot, et parce que le comité de pilotage plan triennal spécial jeune est dirigé par le Premier ministre. C'est logé au Premier ministère. Donc, nous sommes que là pour faire la mise en œuvre du ministère de la Jeunesse. Donc, au-delà, donc, jusqu'à 25 millions, des 10 millions francs à 25 millions, nous avons un taux de remboursement de 8% accordé. Et je précise, dans les taux de remboursement de 0 à 8%, la même subvention vous est accordée. Donc, si vous prenez 10 millions, vous devez rembourser 8 500 000. Si vous prenez 15 millions, vous devez rembourser 13 500 000. Donc, ça veut dire que la même subvention qu'on accorde à celui qui a un financement à subvention, on l'accorde aux autres lots. Vous comprenez un peu, non? Et aujourd'hui, comme exemple, nous avons
des jeunes qui sont installés dans plusieurs domaines, dans le domaine de l'économie numérique. On a une inclusion financière et maintenance. Un seul jeune qu'on appelle Abdul Nasir, il a déjà ouvert son atelier à Dugoy. Nous avons une autre jeune fille qu'on appelle Fita Chaud. Elle est installée à Kongola dans la ferme FED dans le poulet de chair. Ce sont des jeunes qui ont eu des montants dans les 5 à 10 à plus de 10 millions. Donc, ce sont des jeunes qui sont accompagnés dans la mise en œuvre. Il y en a beaucoup d'exemples comme ça, d'autres qui font dans l'agriculture. Il faut quand même rappeler et dire aux jeunes que nous finançons 4 grands domaines. Nous avons comme premier domaine l'agriculture dans laquelle on intègre l'élevage, parce que l'agriculture, c'est tout. Voilà. Donc, nous avons maintenant le domaine de l'économie numérique. Après les start-up et tout ce que vous trouvez qui tourne autour, le secrétariat bureautique, tout ce qui tourne autour de l'économie numérique. Et nous avons aussi le domaine de l'innovation et de la technologie. Vous voyez, ce domaine aussi, nous les accompagnons. Voilà, et le quatrième domaine, j'ai dit agriculture. Économie numérique. Innovation. Technologique. Voilà, et il y a le domaine de l'art artisanat. Ah. Voilà, ceux qui font dans les domaines de couture, tout ça, qui fabriquent des perles, ceux qui font de l'innovation. Donc ça, nous accompagnons. Voilà les quatre grands domaines. Ok, la phase d'enregistrement de projet est-elle achevée? Non. Ça veut dire que les jeunes qui nous suivent aujourd'hui, quelle est la procédure qu'ils doivent suivre pour pouvoir bénéficier de ce plan triennal spécial jeunes? Il faut rappeler que le ministère de la Jeunesse est un ministère extrêmement Android. Donc, Ils doivent aller en ligne. Oui, le ministère a opté pour le rapprochement de la jeunesse à travers les réseaux sociaux. C'est pourquoi nous avons tellement de réseaux, de Facebook, Twitter, le ministère est dans tous les différents types de réseaux sociaux. Et à côté de ça, on a mis en place l'ONG à travers Internet. Donc l'enregistrement se fait en ligne. Pour ceux qui veulent vraiment s'enregistrer et qui ont des Android, on le fait en ligne. On encourage les jeunes à le faire en ligne parce que c'est instantané. À partir de là, vous tapez juste www.ongcameroun.cm. Google, oui. Vous entrez. Et maintenant, Play Store, on a développé une application ONG. À Play Store, vous tapez juste à Play Store ONG Cameroun. L'application ONG, vous la téléchargez, vous l'installez simplement dans votre téléphone. Et là, vous pouvez vous enregistrer. Vous voyez un peu, non? Donc, tout ça est déjà mis en place. Et les formations, même dans le domaine de réarmement moral et civique et entrepreneurial, sont aussi faites, même aussi en ligne. Il faut dire aux jeunes, insister. Aucun jeune ne peut bénéficier d'un programme du plan triennal spécial jeune s'il n'est pas réarmé moralement et civiquement. Ça veut dire qu'il doit être doté des capacités à pouvoir non seulement respecter les institutions républicaines, doté d'une bonne moralité et être capable de mieux conduire son projet en tant qu'entrepreneur. C'est pourquoi on parle de réarmement civique et entrepreneur. Ça veut dire qu'il y a une enquête de moralité qui est menée? Non, on ne fait pas d'enquête de moralité. On vous fait des formations. Avant de vous financer? Oui, on vous fait des formations, on se rend compte que est-ce que vous avez assimilé ces formations parce qu'on vous évalue. Et sur cette base d'évaluation-là, qu'on confirme donc que celui-ci peut bénéficier d'une attestation en tant que jeune formé en réarmement moral et civique. Ceci entre dans votre dossier de financement. Oui, donc tout ça, c'est un mécanisme qu'on a mis en place parce qu'on s'est rendu compte que c'est bien beau de financer, mais est-ce que celui qui est financé est capable de réaliser? Pour ça, il faut qu'on lui dote des outils non seulement intellectuels et des outils techniques afin qu'il puisse réussir son projet. Voilà, donc on a mis en place ce mécanisme-là. Fidèles abonnés, vous l'avez compris, vous, jeunes qui voudrez bénéficier du plan triennal spécial jeunes, à vos Android, prêts, inscrivez-vous. L'adresse, vous avez dit, monsieur le délégué? www.ongcameroun.cm. Voilà, nous allons parler du ministère même de la jeunesse et de l'éducation civique en dehors du plan triennal. Quelles sont les opportunités offertes aux jeunes au niveau de l'extrême nord? Les opportunités en dehors du plan triennal sont nombreuses. Nous avons ce qu'on appelle les CMPJ, les centres multifonctionnels de promotion des jeunes, qui sont des centres d'encadrement et d'accompagnement des jeunes. Nous formons des jeunes là-bas.
dans plusieurs domaines. Ça peut être la couture, ça peut être l'électricité, ça peut être l'auto, le mécanique. Ça dépend maintenant des centres, de leur capacité à pouvoir former. Certains sont dotés de matériel par l'État, d'autres ont des partenaires qui viennent faire les formations chez eux pour offrir aux jeunes. Nous avons, les CMPJ sont catégorisés d'arrondissement, département et régional. Pour celui de Marois, Doma, que tous les jeunes connaissent, c'est le CMPJ départemental. Il faudrait que les jeunes le savent. Au foyer des jeunes. Jeunes, oui, de Domayo, c'est le CMPJ départemental. Le centre municipal fonctionne aux promotions des jeunes du Diamaré départemental. Maintenant, le centre régional, CMPJ régional, c'est ce qui a Pitoiré, non loin du FECOM. Donc, c'est le centre multifonctionnel de promotion des jeunes de Pitoiré, qui est un centre à caractère régional. Et maintenant, chaque arrondissement a son centre avec des responsables nommés. Donc, à partir de là, déjà, les jeunes peuvent s'enrôler. Maintenant, hormis ça, les opportunités aussi que les jeunes peuvent avoir, c'est l'accompagnement en tant que conseiller mentor. On peut aider les jeunes à non simplement trouver leur voie dans plusieurs domaines qu'ils veulent, parce que comme je disais, on a des partenaires. Ces jeunes peuvent avoir la chance, ils veulent quelque chose, mais ils ne savent pas comment faire. Ce qu'ils vont venir, nous les accompagnons. Nous sommes comme des conseillers. Les conseillers, nous les conseillons, nous les accompagnons. Ils peuvent demander des formations précises. Nous pouvons les donner et nous orientons aussi. Nous orientons beaucoup quand nous nous rendons compte que ce que nous, le jeune a besoin n'est pas à notre niveau. Nous orientons parce que nous travaillons avec des autres sectoriels. Donc c'est une chaîne et c'est comme ça que nous insistons aussi beaucoup sur l'éducation civique et l'intégration nationale. Voilà. Il y a aussi comme opportunité la formation des appelés du service civique. Et ça c'est l'agence. L'agence du service civique national de participation au développement. Et les appelés pour nous sont des enfants âgés de 17 à 21 ans que nous formons chaque année au collège ou centre de formation extrascolaire ou professionnel. Ces jeunes sont ici de là. Ces jeunes aussi, ils proviennent aussi des associations des jeunes. Donc, il peut, en tant que membre d'une association, un jeune peut participer à cette formation. Mais les nombres sont souvent limités parce que c'est les jeunes de l'extrême nord. L'objectif ici, c'est de permettre aux jeunes appelés d'apprendre à vivre ensemble dans la cohésion sociale. Donc, c'est pourquoi on les intègre dans leur formation. Il y a le secourisme qui se fait par les sapeurs-pompiers, c'est de la jeunesse, par les cadres de sport parce qu'ils font le sport. Il y a aussi des autorités de la ville, les magistrats, les municipales, les maires, les docteurs, en tout cas, toutes ces grandes personnalités de la ville viennent faire un entretien avec les jeunes pour leur parler de leur métier, pour susciter en eux des vocations. Parce qu'il y en a qui peuvent aimer un métier, mais ils ne savent pas ce que c'est. Donc ces gens viennent leur dire que voici comment mon métier est, voici comment on peut faire, et voilà, voilà, voilà. Donc c'est dans ce sens que voilà aussi une opportunité. Mais à côté de ça, le service civique forme aussi des volontaires du service civique. Ceux-là sont formés dans les quartiers, dans les villages. Eux, on les accompagne à travers ce qu'on appelle chez nous le village pionnier. Un village pionnier, donc on mobilise environ 52 dans une localité précise à laquelle nous dotons des moyens. Nous les dotons des moyens dès le départ. Il faudrait simplement que dans un arrondissement, une élite ou un chauffeur ou une autorité permette à ces jeunes d'avoir un espace laborable, cultivable de 10 hectares minimum, qu'il met à la disposition de ces jeunes de son village. Maintenant, on valide ça sur le conseil d'administration de la direction générale. Ça se fait chaque année pour l'année suivante. Donc, si dans le package que vous êtes validé, parce que par région, le service civique finance généralement 2-3 villages pionniers dans chaque région. Vous voyez un peu, non? Donc, si votre arrondissement est sélectionné, donc l'espace là-dedans est réservé pour ces 50 jeunes que nous formons d'abord au civisme, et nous les envoyons maintenant mettre en œuvre leur activité agricole. Et les spéculations sont choisies par elles. Si elles décident de faire le maïs, si elles décident de faire le mil, elles nous disent si c'est sur un hectare, elles veulent faire tel matériel. On achète simplement, on met à la liste. Tout ce qu'on attend des jeunes, c'est la main-d'œuvre. On attend, puisque c'est leur champ en réalité. Oui. Donc, on laboure avec des tracteurs parce que nous sommes passés à la deuxième génération. Le labour est avec des tracteurs. Donc, ils ne s'occupent pas de ça, ça c'est le service civique qui s'occupe. On vient labourer avec du tracteur, on met à leur disposition des semences,
ils sèment, on met à leur disposition des engrais, ils mettent leurs engrais, on met à leur disposition d'autres pesticides, peut-être pour tuer les... Tout ce qui peut contribuer à la mise en, à la culture de la spéculation qu'ils ont choisie. Jusqu'à la récolte, on leur donne le sac pour mettre la récolte dedans. Et tout ceci leur revient. Appartient. Leur appartient. L'État ne récupère rien dedans. Pour ces opportunités, quel est le processus que le jeune doit suivre pour en bénéficier? C'est toujours en ligne pour le jeune de Tchatchibali ou de Mogodé qui n'est pas Android, qui n'a pas accès à Internet. Comment fait-il? Donc, quel est le processus pour en bénéficier? Le processus est simple. Hein? Pour ceux qui peuvent, il faut se rapprocher du CMPJ le plus proche. C'est-à-dire le centre multifonctionnel de promotion des jeunes le plus proche. Comme je vous ai dit, il y a 360 arrondissements, il y a 360 CMPJ au Cameroun. Et 360 délégués d'arrondissement. Ils existent, ils sont nommés par le ministre de la Jeunesse. Ils sont là. Donc, celui se rapprocher. Outre ça, on s'est rendu compte que les jeunes ont souvent peur de venir dans les services publics. Oui. On ne sait pas souvent pourquoi. Pourtant, nous sommes là pour leur servir. Nous travaillons pour eux. Ce n'est pas le contraire. Nous, on travaille pour... On a pris l'engagement de servir. Donc, les jeunes ne devraient pas en réalité avoir peur d'aller dans les services publics. Quel qu'en soit le service public. Certes, on se plaint de mauvais accueil et qu'on sort. Mais ça dépend des individus. Ça n'a rien à voir avec ce que le service en réalité. C'est les personnes. Ça, ce n'est pas un problème de service. Ça, c'est un problème d'individu personnel. Vous allez trouver qu'ailleurs, on reçoit bien, ailleurs, on ne reçoit pas bien. Vous comprenez? Donc, il ne faudrait pas que les gens tiennent compte de ça. Il faut toujours aller au CMPJ le plus proche. Et à côté de ça, depuis 2016, le ministère de la Jeunesse a lancé une vaste campagne d'enrôlement des jeunes à l'ONG. Nous avons fait des caravanes de sensibilisation à travers les Lamido, les Lawan, les Djaouro. Donc, nous avons fait des caravanes par arrondissement. Nous sommes descendus dans presque chaque canton. On a demandé aux chefs de nous aider à mobiliser les jeunes qui sont très loin, qui ne peuvent pas venir jusqu'au centre-ville, qui sont dans les villages. On est allé avec des fiches parce qu'on a deux types d'enregistrement. Il y a l'enregistrement sur fiche et l'enregistrement numérique. Nous utilisons donc ces fiches que nous matérialisant sur un fichier et que nous transférons à la hiérarchie. Mais maintenant, nous avons découvert que c'est mieux de favoriser l'électronique. Pourquoi? Parce que c'est instantané. Si vous enregistrez maintenant sur votre téléphone, directement, vous observerez qu'à Yaoundé, on a confirmé votre dans la base de données de l'Observatoire national au niveau central, vous êtes déjà enrôlé. Mais par contre, si il faut qu'on vous enregistre ce suffice dans nos bureaux, il faudrait qu'on attende une période maximal où on a plusieurs fiches pour faire un bordereau pour transmettre à la hiérarchie. Ça prend du temps. Nous conseillons donc aux jeunes d'utiliser le numérique, d'aller sur www.ong.cameroun.cm. Vous l'avez compris, chers jeunes, tout se passe sur la plateforme de l'Observatoire national de la jeunesse où vous pouvez bénéficier des opportunités du plan triennal spécial jeunes, mais également d'autres opportunités offertes par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Monsieur le délégué, en tant qu'aîné, en tant que parent, quelle orientation, quel conseil donnez-vous à la jeunesse? En tant qu'aîné, en tant que jeune aussi, parce que je suis aussi jeune, en tant qu'aîné de certains jeunes, je dirais aux jeunes de ne pas se jeter dans la facilité. La facilité n'a jamais produit quelque chose. Quand on ne sait rien faire, il faut se former. Quelle qu'en soit la formation qu'on va faire, on finira par s'en sortir. Je connais beaucoup de jeunes que nous accompagnons qui n'ont pas mis pied à l'école et qui vivent décemment. C'est-à-dire, ils ont décidé, par exemple, de venir auprès du garagiste du quartier apprendre à réparer la moto. Ils se sont formés longtemps auprès du garagiste. Aujourd'hui, ils ont leur propre garage. Comprenez? Ils n'ont pas cherché à tout prix à aller à l'école. Je dirais aussi à certains jeunes qui sont allés à l'école, qui veulent à tout prix avoir le travail par rapport à leur diplôme, qu'ils sachent deux choses.
C'est la compétence qui donne le travail. C'est pas le diplôme. C'est pas le diplôme. On peut avoir des diplômes, mais il faut être compétent pour avoir du travail. C'est pourquoi vous voyez, dans tous les petits appels à candidature qui sont lancés, on vous dit toujours on a besoin d'une expérience. Expérience professionnelle. Si vous n'avez pas d'expérience, vous avez donc à avoir l'expérience ou tant que vous n'avez pas eu des compétences. Il faut se faire former. Il faut avoir des compétences. Compétences pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Et il faut aussi aimer le bénévolat. Quand on a envie d'avoir des compétences, il faut aller apprendre gratuitement parfois auprès de ceux qui connaissent. Le bénévolat aide beaucoup le jeune à se capaciter. Vous voyez un peu. Il y a des gens que tout ce qu'ils veulent, c'est venir simplement rester au quartier, au carrefour, taper les commentaires. Parler de X ou de tel ou parler de ci ou de ça. Ça ne profite en rien. Il faudrait utiliser son temps à profit pour pouvoir s'aider soi-même. Vous comprenez un peu. Donc, je n'accuse aucune personne, mais je dis qu'il faudrait être intelligent pour réussir dans la vie. Et je conseille aussi nos jeunes sœurs filles qu'il ne faudrait pas qu'elles acquièrent quelque chose parce qu'elles sont filles. Il faudrait qu'elles acquièrent quelque chose parce qu'elles le méritent en tant que filles. Parce que déjà l'État fait des efforts pour que dans chaque chose, les conditions sont mises en place pour prendre en considération le genre. Aujourd'hui, le mot genre ressort dans presque tout. Tout ce qu'on fait, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les activités, l'aspect genre ressort toujours. On encourage toujours les filles à aller faire les activités. Donc je conseille aussi à nos jeunes sœurs filles de ne pas dormir, de se lever, d'apprendre et de donner aussi aux autres, d'aider leur communauté. Donc voilà de manière globale ce que je peux dire comme conseil et dire aux jeunes de ne pas fuir les services de l'État. De se rapprocher du service de l'État, quel qu'en soit le ministère ou quelle qu'en soit la structure, rapprochez-vous du service de l'État. Si vous êtes mal accueilli, ce n'est pas un problème de l'État, c'est un problème d'individu. C'est l'individu qui est dans ce service qui est un problème. Ce n'est pas l'État qui est le problème. Vous pouvez aller trouver votre solution pour le même service, mais ailleurs, dans une autre structure de la même catégorie. Si vous venez chez moi, Dajek de Maroua 3e, et que je vous reçois mal, allez chez le Dajek de Maroua 1er. Deuxième ou 1er. Il peut mieux vous recevoir et résoudre votre problème. Vous comprenez? Et vous conseillez même à vous accompagner dans ce que vous voulez faire. Vous comprenez un peu? Voilà. Merci beaucoup, monsieur le délégué. Chers jeunes, comme il a dit, il y a autant d'associations, d'organisations qui font, par exemple, dans le bénévolat. Investissez-vous-y. Faites en sorte que vos compétences, vos capacités ressortent pour que vous puissiez vous insérer sur le plan socio-économique. N'attendez pas une opportunité, allez saisir vous-même les opportunités. Même le programme La Roue est une opportunité pour tous les jeunes Camerounais. Au sein de ce programme, il y a des volets entrepreneuriat où les jeunes peuvent acquérir des compétences grâce à nos coachs. Nous allons sortir de cet entretien, monsieur le délégué, en prenant votre dernier mot. Pour mon mot de fin, je dirais déjà merci au programme La Roue pour ce qu'elle fait pour la jeunesse. Et j'invite nos jeunes à non simplement se rapprocher du ministère de la jeunesse, qui est leur ministère de tutelle. Ce ministère, c'est pour eux. Et les responsables du ministère de la jeunesse sont là pour eux, sont là pour travailler pour eux. Nous sommes là pour servir. On dit servir, ça veut dire donner ce qu'on a à ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui connaissent et qui en ont besoin. Et pour ça, nous demandons à tous les jeunes de se rapprocher des délégations d'arrondissement de la jeunesse ou de tous les services du ministère de la jeunesse, non seulement pour les informations, pour s'inscrire, pour demander à être accompagné. Parce que nous accompagnons tous les volets possibles. On accompagne les jeunes même à se mettre en association. Donc ça, c'est un volet du ministère de la jeunesse. Nous avons des services de vie associative au sein de nos bureaux, des directions de vie associative au niveau du ministère. Et nous avons une base de données, c'est pourquoi le Conseil national de la jeunesse a été mis en place. Donc, pour qu'il y ait une plateforme d'échange
entre les jeunes afin de connaître quels sont leurs problèmes, comment est-ce qu'on peut les aider à les résoudre. Et j'invite aussi les jeunes, surtout de Mawa, l'extrême nord, avec possibilité de participer massivement au forum jeunesse qui sera lancé par le ministre de la Jeunesse au courant de la semaine prochaine. Vous aurez toutes les précisions au moment venu. Merci. Monsieur Winamou Fidéliste, merci d'avoir répondu à notre appel. Je rappelle que vous êtes délégué d'arrondissement de la jeunesse et de l'éducation civique de Maroua 3e, par ailleurs point focal régional au ministère de la jeunesse et de l'éducation civique de l'extrême nord. Fidèles abonnés, nous voici arrivés au terme de notre émission d'aujourd'hui qui portait sur l'insertion socio-économique et professionnelle des jeunes. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter. Pour la présentation, je suis Ousmane Aminou. Retrouvons-nous très prochainement sur cette page. Ciao.